Ce soir sur M6, cap sur le Panama, situé entre le Costa Rica et la Colombie. Ce petit pays a beaucoup fait parler de lui ces dernières semaines, avec l'affaire des Panama Papers, vous savez, ces révélations de noms de personnalités soupçonnées d'évasion fiscale. Ce nouveau numéro d'enquête exclusive dresse un portrait exhaustif de ce pays de 4 millions d'habitants. Paradis fiscal, le Panama est aussi l'un des plus gros carrefours du trafic de cocaïne du monde. Pour vous donner une idée, 900 tonnes y transiteraient chaque année. Et derrière les plages et les buildings luxueux de la capitale se cachent des quartiers délaissés et gangrénés par la violence. Dans ce pays inégalitaire, 30% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. En plein cœur de Panama City, des quartiers entiers sont laissés à l'abandon. Certains habitants n'ont pas accès à l'eau courante, ni aux services publics. Le point fort de ce reportage, eh bien, c'est d'aborder plusieurs sujets en un peu plus d'une heure sans trop perdre le téléspectateur. Didactique, ce document propose aussi des infographies très réussies, notamment sur le fonctionnement des sociétés offshore. Même s'il fait écho à l'actualité, ce numéro d'enquête exclusive a été lancé avant les révélations des Panama Papers. Pour coller à l'actu, la production a donc décidé d'accélérer le timing de diffusion et d'adapter le contenu éditorial du sujet. Des changements de dernière minute qui expliquent peut-être pourquoi les Panama Papers représentent qu'une petite partie du sujet. Enquête exclusive, Panama, paradis tropical et fiscal, c'est donc ce soir à 23h sur M6.